Coucou, mais j'ai pas peur, bienvenue. C'était clair que si t'es culpé, t'étais à rien impliqué dans l'arrestation, la séquestration et la torture de Maxime, de Maxime et de Zoko. Je reprends. Attends, dit que lors de son interrogatoire, au fond, dans lui, hello, hello. Hello, hello. Est-ce que j'ai pas peur si je me connecte? Je suis bien à le voir 14h, non? Je vois. Mais allez-y, si vous êtes là, s'il vous plaît. Je ne sais pas si. Hello, hello. Faites-moi signe si vous êtes là. Ah ah. Victor. Victor, c'est pas comme ça qu'on salue les gens, hein. Bienvenue, Victor. Comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Ah, je suis à la cuisine en même temps. Ah, c'est bon. Victor Kameni, bienvenue. Alors, on le fait avec ou sans lumière, je ne sais pas. C'est avec ou sans lumière, c'est mieux. Je crois que ceci, ou bien avec lumière. Bienvenue à ceux qui se connectent à l'instant. Alors, on va parler, je ne sais pas combien de temps vous pouvez m'accorder. Combien de temps on peut faire en live? Dites-moi, c'est vous qui décidez, c'est vous les boss de la page. Pensez qu'on puisse faire combien de temps là en live. Tell me, just tell me, you decide, you are the boss. Avec lumière, c'est mieux, ok, d'accord, c'est comme tu veux. D'accord, je remets la lumière. Alors. Bienvenue à ceux qui sont connectés et qui ne réagissent pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne réagissez pas. Vous ne voulez pas écrire ou quoi. J'espère que vous allez bien. Bon samedi.
partagez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le live pour que les autres soient notifiés qu'on est en direct. Parce qu'on n'est que 8, on ne peut pas commencer. Partagez, je vous en prie. Merci d'avance. Partagez, mettez les cœurs. Entre-temps, je vais avec Bongo. Bongo vous tient compagnie. Vous partagez. Puis quand on est un peu plus nombreux, on peut démarrer. J'amène Bongo. La 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 la. Cherchez-les. Ils sont où? Bongo est là. Please share the live. Please share to your contact. Share in your groups. Share in many groups. Okay, Bongo is like this. Merci pour les likes. Je vois les likes. Mettez le cœur également et partagez s'il vous plaît. Merci. Partagez, mettez les cœurs, invitez les autres. J'ai pourtant annoncé avant que je vais faire le live à 14h. Quand je vous surprends, vous venez. J'annonce même, vous ne réagissez pas. C'est comment? C'est à quoi? Ne voulait pas réagir. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, moi, c'est pas la bonne heure, mais j'ai pas peur. Vous n'êtes pas connecté ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Maman Chantal au Gadaï dans la place. Bonjour maman, comment tu vas? Bon samedi à toi. Bon samedi. Dans la paix du Christ. Plein de bisous. Plein de bisous. J'espère que vous allez bien. Maman Chantal, c'est comment? Comment se passe le samedi? J'ai annoncé sur la page qu'on devait rapporter aujourd'hui à 14h. Visiblement, vous n'êtes pas disponible, vous ne réalisez pas ce qui se passe. Ou alors, la plupart n'est pas. C'est samedi pourtant. La famille de. On est pas dans. Je fais les épinards sautés aux boulettes. La viande. La nourriture. Quand il y a un comme ça, mes organes bougent. Laisse, tu ne peux pas tout à manger, ma mère. C'est une grâce, hein. C'est une grâce d'avoir faim et de pouvoir manger ce qu'on veut. C'est une grâce. Ce n'est pas donné. Donc, lève-toi, tu fais à manger, tu manges tranquillement et tu te rendors. En semaine, ça coûte beaucoup. Le week-end, il faut bien se reposer. Merci pour les cœurs. Priez de partager également. Partagez dans vos différents groupes, sur vos murs, pour que les voisins puissent être notifiés qu'on est en direct. Comme ça, on va démarrer avec le sujet pour lequel on est connecté cet après-midi. Partagez fort, je vous en prie. Je tiens également à vous remercier pour votre présence effective sur la page. Quand je poste, je vois les réactions, je vois les commentaires, les likes et les partages. Ça, c'est beaucoup. Merci. Ah oui, maman Chantal, c'est pas évident. Hey, maman, avoir faim et pouvoir manger ce que tu veux, c'est une grâce. C'est pas donné. C'est pas donné. Vraiment. On remercie le ciel pour ça. Tel que je veux. Ça monte. Oh, il y a 10, c'est bon. Ébouillant.
On partage fort. Comme ça, on va démarrer le sujet pour lequel on est là. Ça monte, merci. Taguez même vos amis, taguez. Est-ce que vous avez remarqué la présence de Bongo? Bongo est là, vous ne le savez pas. Saluez Bongo, le cousin de Yoda. Merci, merci d'être là massivement. Merci, merci. On va bientôt démarrer avec le sujet. En fait, avant, en semaine, lors d'un live, j'ai promis qu'on devait être en live aujourd'hui samedi. C'était avant que le 1er décembre n'arrive. Donc, c'était avant tout ce qui s'est passé hier. Quand je disais qu'on devait faire le live, c'était pour parler une fois encore, des violences conjugales. Bon, c'était ça vraiment dans ma tête. Quand je disais que je devais faire une live aujourd'hui samedi, c'était ça qui était dans ma tête. Mais la journée d'hier est venue bouleverser les organes et tout. Donc, on va commencer par la journée d'hier. On va chuter sur les violences conjugales. Donc, voilà. Un dernier tour de partage. On commence à parler. Non, c'est vrai qu'on est très peu. Je me serais attendue au fait qu'on soit un peu plus nombreux que ça. Bon, c'est pas grave. On va pas punir les personnes qui sont arrivées à temps. Parce qu'on attend les personnes qui vont venir en retard. Donc, on peut simplement commencer. Donc voilà. Vos avis m'intéressent. Vos réactions vont susciter. Vos actions vont susciter une réaction de ma part. Donc voilà, le sujet est lancé. Merci pour les likes. Merci. Merci pour les likes. Merci pour les cœurs. Merci de partager. Taguez vos contacts. Taguez vos amis Facebook et partagez dans les groupes dans lesquels vous êtes sur Facebook également. Ça peut édifier plus d'une personne. Alors, le premier sujet, c'est ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? What's happened yesterday? Hé hé! Hé maman, le japapo! Il y a pas mal fait que vous voulez mon plantain ici là. Maman, on dit que mon papa il m'envoie la fumée. Ça chauffe. Elle dit que Facebook chauffe. Tu veux dormir comme ça, la femme. Tu as pas de tomate. Wow. On a livré les hommes. Tu dis que hé hé. Est-ce qu'on a un télé matinès? Voilà ces deux situations qui sont liées. Ces deux situations qui sont liées. Donc hier, pendant qu'on était sur le cas de Dylan Comédie, il a fait. Papa va se faire un podcast. Quand il n'est pas commenté, quelqu'un vient en bas et écrit que bon, mon Dieu, mais il me coupe un livre. Ça fait dans ma tête que zanzan. Je dis que, ok, livre, comment? Je défile un peu sur la page de papa parce que je vois que les gens parlent beaucoup de ça, que il me coupe un livre. Je dis que, hey, quand vous savez, quand on comprenait souvent, quand on fait souvent les contrôles continus à l'école,
La fausse réponse, suite comme ça, tout le monde a la fausse réponse. Le prochain dit que deux personnes ne peuvent pas être bêtes de la même façon. Donc, quand tu as la même information deux fois, hey, écoute bien. Deux fois, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez, non? Je viens en Allemagne pour tous vos problèmes de... Ça, c'est les marabouts. Mais même si on occupait, elle était bloquée, Joséphine. Ici. Tout le monde travaille ici, il n'y a pas de paroles. Si on attend rien de marabout, on travaille. Bonjour, non. Oh, j'ai vu en Allemagne pour tous vos problèmes de attends. Je connais là comment on bloque. Ah, on ne sait pas, mais on bloque. Bloqué, genau. Moi-même, j'ai reçu l'info, mon sang s'est coupé, j'ai eu le dégoût de la vie. Heureusement, elle n'était pas... Écoutez, machin, je vais te dire, l'information qu'on a reçue hier, là, ce n'est pas que... On dit que, oh, le premier document est faux. Il n'y a pas de faux document. Moi, il me dit que c'est la tentation, donc c'était le test. C'était le test. C'est pour voir comment on va réagir. Les deux documents étaient prêts. Ils ont sorti le premier. Il y avait un camp qui sautait, un camp qui était fâché. Ils ont donc sorti le deuxième pour dire que oh, la présumée libération de quoi, machin, machin, date. Mais ce n'est pas les termes que il sera quoi, le français, que tu vas que date au. Oh, c'est. Oh. Moment opportun. C'est moment opportun là que c'est. Quand ça fait un contrat, ça veut dire qu'ils vont le libérer. Ah, Warren, j'espère que tu vas bien. Oh, tu es bien à l'heure, non? Warren dit, arrête-nous ça, parle-nous bien. J'ai parlé comment? Est-ce que si je t'ai offensé, je te présente mes excuses, pardon. J'ai parlé comment, Warren? Tu nous as trouvé là, on parlait de la situation qui a jailli sur la toile hier. Et maman Chantal a argumenté, je débattais avec elle. Comment est-ce que j'ai parlé? Tu as senti que j'étais comment dans le ton? Est-ce que j'ai mal parlé?
La reine, je t'ai parlé comment? Non, je te dérange. Toi, la reine, je me dérange plus, pardon. D'abord, mes organes qui ont bougé, donc mes organes sont encore bien. En place, tu viens encore me faire comme ça. Wakanda, tiens-toi bien. Donc, je disais que les lettres qu'on a vues hier, confidentielles, très urgentes, bon, confidentielles, qui finissent par se retrouver sur le métal, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas une lettre là-bas qui est fake. Les deux lettres là ont été saisies dans un secrétariat avec un cachet rouge tout frais. Donc, on n'a pas fabriqué quoi que ce soit là. La première était certainement pour voir comment on va se comporter sur la toile. Il y a un camp qui était content, un autre camp qui était fâché. Donc, ils ont apprêté les deux courriers au même moment. C'est genre, hey, s'ils font comme ça, on fait comme ça. Ils ont reçu le deuxième courrier disant que vous, le premier courrier, ils ne reconnaissent pas. Quoi libérer mes loups? Il est libéré. Que c'est pas. Je dis que les deux situations sont liées. On n'a pas encore enterré Martinez, vraiment que son âme repose en paix. Il ne sait même pas si l'âme du papa là, il ne sait même pas. Hé, hey, Dieu. Tu as vu ça sur Facebook, comment moi j'ai vu hier, non? Mes organes ont bougé hier comme ça, là, j'ai dit que neuf. Donc, tout le. Ça veut dire que quoi que depuis janvier, là, on a oublié. On n'a pas oublié, même s'il y a d'autres dossiers qui sont entrés, comme il y a beaucoup de dossiers au continent là, on n'a pas oublié. Ils ont fait maintenant, même si on s'est même rappelé que Martinez était encore à la morgue. Donc, moi, je crois que le premier courrier, c'était pour voir nos réactions. C'était que, hey, si la toile est calme, on le libère en solo. Ils ont vu la qualité qu'on a chauffé directement. Si vous voyez, si on va même bien voir le temps qui sépare les deux lettres, ça doit être seulement des minutes. Hein. C'est-à-dire, on saisit ici, on saisit là-bas, on attend. Dès que ça arrive sur la toile, on bouge sur le deuxième courrier. Pourquoi est-ce que les messages partent se passer en bas? Les vieux, quoi? Les vieux là, vraiment, font les schémas sur nous. Oui, c'est juste les schémas. Mon frère font ça. Je t'ai écrit sur WhatsApp. J'ai dit que ton WhatsApp dit que tu es que quoi? C'est pas un message éphémère. On m'a donné un message. Mieux de toi, il va te racler. Ils veulent voir notre réaction, ils veulent voir comment on va réagir et c'est en fonction de ça qu'ils vont, c'est qui est sûr, hein? Ils ont déjà programmé. Vous vous rappelez, avant qu'on ne l'enferme, il y avait d'abord eu des secousses comme ça sur la toile et puis après, on a entendu qu'il avait été pris. Donc, je crois qu'ils ont déjà programmé ça. Et comme à l'accoutumée, on va se chauffer là 2 jours, 3 jours, on va se calmer. Qui paie? C'est Tantine Diane Zogo qui paie, ses enfants également, sa famille proche et nous. Parce que vous ne pouvez pas savoir le bien. On ne pouvait pas savoir le bien que l'émission là. Tu vois, un tassement de gars comme ça pour écouter embouteillage. Depuis qu'il est parti, qui peut faire embouteillage comme lui? Qui peut faire embouteillage comme lui? C'est l'enfant de Dieu, il doit faire attention. Ah, ils ont peur de ça, ma chère. Hey, tu parles de Jackie. Ils ont peur de ça. Est-ce qu'ils ont. Si toi, la qualité qu'on a fait, bon, ce qu'on dit, moi, il n'est pas. On avait caché le. On avait masqué le corps. C'était pas à voir, non. Ce qu'on dit qu'on a fait aussi, la banque n'est pas. Toi, quelqu'un qui est enfant de Dieu peut. Ils ont peur de Dieu.
Ils ont peur de Dieu. FTG, j'ai reçu ton message. Tu réponds après. C'est le même téléphone. Je ne peux pas répondre maintenant. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur? Ils ne gèrent pas ça. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas à ton semblable. Tu vois comme ça ne te fait pas fusionner là maintenant. Quand l'huile saute là, ça me touche. Ce qui se passe dans mon cœur, ça me fait mal. Imagine tu fais ça à quelqu'un, tu sais que ça fait mal, mais tu fais. On les avait arrêtés pour complicité de torture. Bon, on l'a torturé, qui l'a donc aimé? Si on l'a seulement torturé, qui l'a donc aimé? Il y a même un genre de torture que quand on te fait ça, c'est pour que tu coinches une fois. À qualité de torture, c'était pour qu'il vive. C'était pour qu'il vive depuis janvier. Ils n'ont aucune élégance gouvernementale. Ah, toi, tu polis même les mots quand tu peux t'adresser à eux. Non, je t'ai fait un message. Je t'ai fait un message avec le numéro, tu viens de réagir là. Je t'ai dit que mon autre numéro a eu un souci. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, ça va. Je vais te répondre après. Là, c'est le même téléphone. Non, ces gens-là, hier, je suis resté comme ça là. Il dit que merde. Hey Valix, comment tu vas? Bon week-end à toi. Bon week-end, j'espère que tu vas bien. Mais que hier là, il reste au verre de mince. C'est un commentaire qui attire mon attention sur la page de Papa Valsero. Qui vient réagir à mon commentaire. Bon, mais je me mes coupes libres pour dire que mon cerveau à votre switcher, j'ai dit que. Hey. Super. Bonsoir, bienvenue à Rodrigue Gaucher. Rodrigue, tu es français. Rodrigue Gaucher. Ici, là, on est habitué au Fonta, les Valix, les Warren, les Ogada, comme ça, là. Toi, tu viens avec Gaucher. Ou pas français, papa? Chunga, vous savez, Chumbo, bienvenue. Hein? Bienvenue à toi. Donc, voilà, là. Là, beaucoup se sont réjouis après que, oh, heureusement que c'était un fake news. Non, il n'y a rien qui est fake là. Les deux lettres sont réelles. C'est juste que, bon, la première, c'était le coup des cercles. On va un peu voir comment ils vont faire. La deuxième, c'était pour dire calmez-vous. C'est mes bébés. C'est mes bébés. Ma chère. Tu as arrêté que mes bébés me coupent. C'est mes bébés me coupent, non. C'est comme ça qu'on appelle le père là, non. C'est là où on appelle que mes bimes me coupent. Quand on comprend, c'est notre code. Et quand on dit mes bimes me coupent, c'est pour ne pas prononcer son nom. On comprend, mais quand on parle, ou bien mes bimes. Quand on dit comme ça, là, on se comprend, non? On dit mes bimes me coupent. Comme ça, on se comprend entre nous. Ou bien tu dis mes bémignacs. Hein? Rodrigue, dis-moi, tu es français, t'es pas oublié. Mais
Dembélé Seydou, Azo, je te bloque, Nyanga, le match, je croyais à bloquer. Non, t'inquiète, Dembélé, c'est pas trop ce que tu fais là, il n'y a pas les paresseux ici. Nous tous ici, nous sommes des bosseurs. Les papeurs sont des bosseurs. On n'attend pas n'importe monnaie magique. J'espère qu'il y a le reste de Foufou Gombo. Valise, donne ta vie à Dieu et tiens pour le don. Un chef cuistot comme toi, c'est quoi? Non, il n'y a pas de fête. Alors, je crois qu'on a parlé de Mibi Moukou. On a parlé de lui. Maintenant, on va faire... je vous avais promis en début de semaine. Ce pays est-il encore gouverné? Je ne sais pas, Pascal. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux rien te dire là-dessus. Je ne sais pas. Parce que je ne sais vraiment pas. Si les gens la libèrent, ce monsieur, je vous laisse ce pays. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Moi, je pense que là, c'est pour bientôt. Je pense que c'est pour bientôt. C'était pour voir. Sinon, comment penser même qu'il puisse être libre? Comment imaginer même ça? Tu vas voir. Non, les marabouts, là, viennent, non. Toi-même, vrai, tu es top. Hein? Merci. Merci pour leader Dongo. Les marabouts, là, tu connais ma chambre. Je suis allée sur YouTube. Hein? Comme je ne connaissais pas, non. J'ai tapé comment bloquer en plein live. J'ai appris ça bien. J'ai bien retenu. Donc maintenant, là, je connais que j'appuie. J'insiste sur son message. Il y a beaucoup de gens qui m'ont bloqué et il est parti. Qu'est-ce qui explique que dès que tu es en live, dès que je suis quoi, j'ai rencontré mon mari. On a deux enfants. J'ai comme ça. Nous, quoi dedans? Le pays là. Non, comment expliquer, mais comment penser, imaginer même qu'on pouvait même le libérer. Comment imaginer que ce soit même possible? C'est quoi ça? Pascal, tu vas voir. Deux jours, là, tu vas entendre. Mon Dieu, tu ferais une bonne épouse pour Valsero. Il faut que nous parlions avec lui. Eh, pardon, papa. Pardon, tu connais. Comme tu as écrit là, tu peux également supprimer. Pardon. Pardon, mon père. Papa Valsero est dangereusement marié. Et sa femme. Pardon, supprime même parce que quelqu'un peut capturer ça. On peut faire ça. Ça devient autre chose sur la toile demain. Papa, comme tu as écrit, tu peux supprimer, non? Pour Christo. Bon, tiens, tiens, papa. Hey! Oh, tu dis quoi comme ça? Tu écris quoi? Quand tu écris comme ça, tu ne trembles pas. Vanix, si tu as l'œil de la chope, donc comment tu as su que faire les boulettes? Depuis les yeux, elle s'est cachée, tu sais quand même que sont les boulettes qui sont en train de faire. Je disais que c'est Pascal disait que elle, si elle est libérée, elle va comprendre que le pays n'est pas gouverné. Non, Pascal, tu n'as même pas. Tu vas voir les correspondances que tu as vues là, c'était pour nous tester. Ça va être là. Ça va être bientôt là, vous allez attendre qu'il est libre. On va rien faire. On va s'échauffer comme on s'échauffe là. On va se calmer. Non, il y aura un autre bug dans venir tuer ça. N'est-ce pas quand on l'a arrêté directement, Coucou de Diamant a apparu sur la toile. C'est sûr qu'on a en train de fabriquer une autre qui va venir encore nous distraire, non? Cela peut-être va partager sa part d'argent à 2 heures, qui sait. Donc, on va s'échauffer comme on fait là. Ça va passer. On va passer à autre chose. Merci. Merci à toi. Bisous, bisous. Bon week-end. Donc, c'est comme ça. Bon, Christo, n'écris plus ce que tu as écrit là. Pardon. J'ai tellement pardon. Machin, bientôt j'ai fini ma paix aussi, tu vois. Tu crois que quoi? Oh, bon, pas bon, bon, mais ça n'est l'eau, mais ça n'est pas Christo. Non, mais hier là, c'était une journée, ils ont choisi le 1er décembre pour remuer nos organes comme ça.
Yes. Mais je crois qu'ils ont eu le son qu'ils voulaient écouter, ils ont écouté. Salut Franck Aboa. Franck Aboa, bonsoir. Bon après-midi. Les gens veulent nous détourner de parler de la convention du MRC. Tu vas me l'avoir que les chefs. Parce que moi, je crois que le chef, normalement, je ne sais pas si le chef a la même signification partout. Mais le chef, c'est celui-là qui vient parler à la fin d'un débat. Le chef, c'est celui qui vient souvent donner la conclusion, la solution à un problème précis. Le chef même, c'est la sagesse incarnée. Mais là, on a les chefs qui prennent la photo d'un leader, un opposant politique, qui l'enterre, qui prend un cercueil, qui l'enterre, c'est-à-dire que c'est le message qu'on a pu, comment je vais dire, sortir de là. Ils prennent la photo d'un opposant politique avec un cercueil. Les chefs, pas ça. Yeah. Et ce n'est pas puni, oh. Ça veut dire que c'est normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est normal. Les chefs. Non, les épinards, c'est chez Maman Chantal. Moi, c'est les boulettes avec les fruits de plantain. Puis les chefs, ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que peut-être la signification, peut-être que les chefs n'ont pas la même signification partout. Et moi, je connais les endroits où on ne regarde même pas le chef. Moi, je connais les régions où on ne regarde pas le chef. On ne le regarde même pas. Donc, quand tu parlais de quoi? Quelle gouvernance? Qui est venu détourner de la convention du MRC? Pour eux, tous les moyens sont bons pour l'éliminer. Yoda Boulette. Non, celui-ci, en fait, je vous explique. Hein. Yoda, c'est le. Yoda est dans la clinique de papa. Ici, c'est Bongo. Celui-ci s'appelle Bongo. C'est même pas Ali Bongo. Il s'appelle simplement Bongo. Il n'est pas non plus Bongo Chobi. Il s'appelle simplement Bongo. Vous avez compris. Bon, tous les moyens sont bons pour nous distraire. Vous voyez, les lettres qu'on a sorties là, ce n'est pas au hasard en fait. C'est pas au hasard. Je crois que c'est juste pour nous tester. Il va sortir. On va le libérer. Masha, on nous a fait make noise hier. Yeah, no. Hey, we don't make noise yesterday. I tell you. Hey, yesterday was just pam, pam, pam. Everybody was just talking. Il y a même. Il a dit qu'il est commissaire. Moi, je ne sais pas dans quel commissariat il travaille. Il ne sait pas. Il est commissaire Zogo. Il a fait ce qu'a sorti la vidéo. Hey, maman, mes organes ont fait que. Après, il voit seulement les gens qui disent en commentaire que c'est une vieille vidéo. Même comme ça, il n'était pas rassuré parce que les hommes l'avaient un peu. Il était un peu vieux. Un peu noir, non. Pas très, très bon. Bien habillé, mais. Quand je clique en cette vidéo, je dis que hey, la vidéo sort. Vous voyez que tout était prêt pour que les organes de quelqu'un chamboulent là. Quand j'ai vu la deuxième correspondance, c'est là où j'ai dormi. Les gars jouent avec les émotions des caméras. Tu parles, papa. Tu parles, Steve. Ha! Que ton cœur fait que tu dis que hey, si c'est que. Ce n'est pas. En fait, les gens peut-être prennent, ne comprennent pas. C'est vrai que s'ils restent même là-bas, même 100 ans, ça ne peut pas nous ramener. Bonsoir, bonsoir Steve, bienvenue. Ça ne peut pas nous ramener Martinez. Mais. Faites-nous croire que la justice existe, non. C'est ce qu'on veut en fait. Vous comprenez?
Donc, ce n'est pas trop le fait qu'il soit là-bas. Ça ne nous apporte rien, by the way, qu'il soit là-bas ou pas, ça ne donne à manger à personne. Mais on veut seulement avoir l'espoir qu'il y a encore la justice. Les journaux. Papa, le type là a sorti la vidéo, genre j'ai l'exclusivité, quoi. Donc, je suis restée comme ça, dit que, hey. Tout ceci, c'est le schéma. Les documents sont publiés exprès. La libération des hommes, là, c'est une question de temps. Oui, moi, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début du live. Tout est fait exprès, en fait. C'est pour voir. On va s'échauffer les pieds, on ne va rien faire. Salut, Chefa. Le gars, si toi tu viens encore, c'est le père, si c'est le gars, si tu viens encore avec ta question, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Pardon. C'était un test, à mon avis, pour voir si le dossier était endormi. Ça ne peut pas. C'est justement ça. Ils se sont dit un seul instant qu'on avait oublié. Qui peut oublier? Celui qui dit aujourd'hui qu'il a oublié qu'on a aimé Martinez en janvier 2023, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop. Qui peut oublier ça? Ils voulaient justement nous tester, ils ont vu. Ils ont sorti des documents, deuxième document que oh, le premier n'a rien à voir, quoi. On attend. Oh, yeah. Je sais pas où j'ai mis la chapelure là. Oh, yeah. C'est tel que je veux. Et c'est elle que j'adore, c'est elle que je veux. Et c'est elle que j'adore, elle s'appelle Marie. Donc je disais, assez parlé des hommes là, je disais que le sujet même pour lequel j'avais aimé qu'on fasse un live, c'est les violences faites aux femmes. Sans vouloir t'offenser, t'es mariée. Pardon, Chefa. C'est Chefa, oui. Ne me dérange pas, pardon, papa. Avant les réseaux sociaux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Évidemment, Chefa, avant les réseaux sociaux, ils pouvaient faire. Mais heureusement que... Parce que, mais voilà le bon côté des... Quand ça sort comme ça, là, on crie fort, ils ont honte. J'avais la chapelure ici, donc j'ai mis ça où? La 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 la. Asso. Elle s'appelle Marie et moi je l'appelle Maria. Un peu de sport. Et là, les soi-disant chefs ne disent rien. Donc, il n'est pas fils des camps. Et bon, maman Chantal, toi, tu parles de quel chef? Tu peux me dire de quel chef tu parles? Les chefs qui prennent la photo d'un opposant, ils partent à mettre à côté du cercueil. C'est comme si vous ne... Ou bien... Vous voulez seulement que je bavarde. Moi, j'ai dit que j'ai besoin de repos sur l'affaire là. Moi, j'entends, tu vois la chevelure là même où?
Je vais dire le ministère ne le ministère reste muet. Ils ne vont rien dire. Et il y a même un phénomène, il y a un phénomène même qui sévit ces jours-ci à Yaoundé beaucoup plus. Je ne sais pas si à Douala, peut-être qu'à Douala on n'en parle pas seulement, mais à Yaoundé, il y a trop de meurtres. Ce matin encore, j'ai vu sur la page de Zuimanto. J'ai vu sur la page de Zuimanto une jeune fille étudiante de 17 ans hein, qui a été, je ne sais pas si Zuckerberg va couper le live, si elle a été violée. Et ils l'ont tué dans le domicile familial. C'est pas ça, c'est l'autre jour encore un autre cadavre qui jonchait la rue de Sengousso, c'est éleveur, je ne sais plus trop. Il y a trop de meurtres. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Et rien n'est fait. C'est-à-dire que, voilà, la jeune étudiante, si elle habitait à Biting, oui. Et l'autre jour, c'était à éleveur. Oui, à éleveur. Donc, il y a trop de meurtres. Je ne sais pas où ils répondent à des sacrifices, où c'est des règlements de compte. Mais quand tu as agressé quelqu'un, pas besoin de finir avec lui. Si l'obtempère, non, pardon, si vous êtes victime, je ne vous le souhaite pas d'agression. Donnez tout, hein, même la carte qui est due pour sortir. La donnez, pas avec. Donnez, pardon. Tu as dit, pardon. Comme ça, tu l'as dit. Mais le silence des chefs de l'Ouest sur le professeur Kamto m'inquiète. Tu sais, beaucoup de chefs sont en même temps. Tout a commencé à se gâter quand les chefs avaient un budget, avaient une ligne budgétaire, non, genre pas des salaires, mais quelque chose à percevoir à une certaine périodicité, soit les émoluments. Tous les 3 mois ou bien je sais pas, donc ce n'est plus trop ça. Du coup, ils sont en quelque sorte, ils ont les mains liées en fait. Ils ne peuvent pas être, c'est-à-dire, il n'y a que le roi Sokoujo qui est pour moi aujourd'hui authentique. Hein. C'est-à-dire que c'est un papa plein de sagesse qui dit les choses comme elles doivent être dites parce que il n'a son plat chez personne en fait. Il n'a son plat chez personne. Brice Chefa parce que j'ai un ami qui s'appelle Brice Chefa, donc j'ai tendance à dire Brice Chefa, excuse-moi. Si Chefa dit ça, ça a toujours été ainsi, juste que maintenant tout se retrouve dans les réseaux sociaux. Bien sûr. Avant c'était, ça passait crème, on ne savait pas, mais maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, tout est connu, chacun peut filmer et balancer. Avant, il fallait d'abord qu'on appelle la CSI Vivienne filmée et au journal, on essaye de polir l'information. C'est-à-dire que s'il y a un accident, par exemple, on va appeler la chaîne de télé ou de radio la plus proche, elle vient couvrir l'événement. Et au journal, à 20h, on vous annonce qu'il y a eu 3 morts, alors que sur les lieux, c'était 17 morts. Mais aujourd'hui, je suis là, je vois l'accident, pap, avec mon téléphone, je filme et je publie, je mets l'information juste. Du coup, on n'attend plus le soir pour avoir le prime time 20h, 19h30 pour avoir l'information qui n'est parfois pas vraie. Et c'est pourquoi les entreprises ont très bien compris. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller de passer par un média télé ou radio pour faire la promotion d'un produit ou d'un service. On passe par des personnes qui ont une certaine audience sur la toile, les influenceurs, d'où le phénomène de influenceurs et influenceuses. Donc ils ont compris que pourquoi aller à Canal 2 payer pour la pub aux 20h très cher, ou bien pour les messages qui passent souvent en CNT à la télé là, alors que je peux carrément voir, je dis n'importe quoi, Steve Fa, Zizou, Majaki, Dianama, Tim Dengue, pour faire la promotion de ton CD. C'est ça le bon côté. Bon, peut-être que c'est aussi très cru, il n'y a pas de censure, on poste n'importe quoi. Mais avec ça, au moins, on ne nous ment plus. Nous aussi, on a maintenant l'information à temps réel. Peut-être pas très, très, très en temps réel, mais ça passe un peu plus rapidement qu'avant. Justement, on ne ment plus. Nous aussi, on a l'info.
On a l'info et on la traite à notre guise. On la traite vraiment. Et c'est ça l'autre côté de la toile. Et parfois, tu vois, dans même ce qu'on raconte sur quelqu'un, tu dis que c'est ma vie qu'on raconte bien. C'est moi ou bien quand je dors, on prend mon corps pour aller faire tout ce qu'on dit là-dedans. On ne nous ment plus. C'est ça en fait. Donc voilà, on a assez parlé de mes bimoukoupes. Je disais, en semaine, quand je vous ai parlé du live, c'était normalement pour qu'on débatte. Bon, c'est vrai que il y a certains, ça va être ennuyeux pour certains qui vont dire, ah, on a tellement parlé de ça. Mais comme on dit souvent, la répétition est la mère des études. On va parler, reparler encore. Même comme à l'heure où on est en train de parler, là, une fille est en train de se faire tabasser quelque part, parlons. Que proposes-tu pour les échéances historiques à venir? Quelle échéance? Tu parles de quelle échéance? Dans quel domaine en fait? Tu me parles des échéances historiques à venir. Dans quel domaine en fait? Ta question n'est pas très 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 complète. Donc je disais, parlons des violences conjugales. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu la semaine passée une dame qui est décédée encore. La tenance. Je demande, on t'a envoyé. Tu me demandes ce que je propose pour la tenance. Demande ça au professeur Moïse Camtono. Mon père, il va te dire qu'il propose quoi? Il va qu'on envoie le titre derrière moi. Et j'ai souvent du mal à parler, non, quand j'ai affaire à un profil que je ne peux pas identifier, en fait. Du coup, je ne sais pas qui est derrière l'écran. Je ne sais pas, c'est vous qui me voyez, je ne sais pas. Les autres sont identifiés, mais quand je vois un profil comme ça, je ne peux pas identifier. Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne me fatigue pas, hein. Ne me fatigue pas, tu fais pardon. Tu viens sur la page, je suis un faux profil. Tu vois ta vie. Oui, ma voix compte. C'est pourquoi on va tous aller aux élections. On va aller voter. Mais me demander ce que je propose, je ne sais pas. Tu veux que je te dise ce que je propose, quoi? Ton leader politique, tu suis qui, en fait? On ne doit pas te mettre sur mon dos. Je comprends pas ce que tu veux dire. Carlos Maturin, bienvenue. Toi, tu suis qui, en fait? Si tu es, je ne sais pas, PCRM, tu suis ton leader politique, tu vas là-bas, tu fais la communication pour le PCRM, tu mobilises les jeunes de ta communauté, de ton quartier, en fait, de là où tu es à participer massivement aux élections. Ce n'est que comme ça qu'on peut aspirer au changement. Moi, je sais qui je suis, je vais faire pareil de mon côté. En attendant que 2025 approche, dénonçons ce qui n'est pas juste, en fait. Ce qui n'est pas clair, il faut dénoncer. Il ne faut pas se taire parce qu'on ne sait pas. À moins que... Très souvent, ceux qui ne parlent pas sont ceux qui ont le plâche les gens. Tu as peur de parler parce que... Parce que voilà, ton plat aura des difficultés. Ton plat, on peut casser ton plat et tout. Professeur Moïse Camto is my leader. Ok, tu le suis. Tu suis. Qu'est-ce que lui propose? Je t'aligne tout simplement. Donc, on ne va pas. On peut être sur cette page, on peut ne pas avoir le même leader politique, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se diviser. On ne peut pas reproduire les comportements qu'on reproche aux autres, en fait. On peut se respecter, même si on n'est pas de. Même si on n'est pas. Même si on n'a pas le même leader politique. Donc voilà. Donc bientôt c'est 2025, on sait qu'en 2025 les élections auront lieu. D'où tout ce qui est en train de se passer dès maintenant, c'est la préparation. I'm not getting you wrong. Je ne suis pas en train de je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends très bien. Quand tu me demandes quelles sont mes actions, moi c'est... Just follow your leader.
What you think is right, do it. What you think is not right, don't do it. I asked about it not for comparison purpose. No, qui parle de comparaison ici? Le respect fondamental. Bien sûr, maman Chantal, le respect d'abord, quel que soit le respect d'abord, c'est la base. C'est la base. Mais moi, j'ai envie de dire que quand c'est le même nom qui pose le problème chaque fois, ça veut dire que c'est là-bas qu'il faut cogner. Ça veut dire que c'est sur le cheval là qu'il faut parier. J'ai dit ça et les yeux viennent. Bah, ça, ce qu'on appelle le cercueil, tchaï, c'était fort quand même. Oh, bon. Comme ça, là, on n'a rien entendu. Personne n'a parlé. Non, je n'ai pas encore commencé à mettre au feu. Je suis en train de former ce moment et tout. Je me brûle que. Une pro, une ancienne, je ne peux pas me brûler. Je ne peux pas me brûler. Alors, parlons des violences. Pardon. Oh, le cas de mes bébés me coupe encore au frère. Ils ont vu ce que nous on pouvait faire. Je crois qu'ils savent désormais que quand ils vont le faire sortir. C'est bien manger, tu fais bien manger. Allons. On a tous vu la dame qui a été tuée par son mari. Il faut qu'on dise les choses. Si Zuckerberg veut, si tu veux, tu coupes le live, c'est après Zuckerberg. Il n'est pas ton temps. On n'est plus libre de parler. C'est ce qui arrive, on parle de toi, tu bloques les gens, tu envoies les avertissements. C'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui est à la base de tant de violence? Quand tu défiles sur la toile, tu vois une femme qui a été tuée par son mari. Tu rentres dans les commentaires, tu vois un gars qui écrit. Le jour où les femmes vont apprendre à se taire, on ne va plus les... Il avait dit quoi? Il a accusé un... Moi, j'ai compris que voilà quelqu'un qui est violent. Voilà quelqu'un qui est violent. Qu'est-ce qui explique le fait que... Tu abrèges le séjour de vie de quelqu'un. Simplement parce qu'il y a mésentente. Papa, séparez-vous, non? Est-ce que c'est dur? Séparez-vous. Hein? Séparez-vous. Séparez-vous. Le jour où tu allais là-dedans, te dit, en face, maman dit que quoi, que sa famille ne voulait plus d'elle. La méchanceté est la cause. Bia et sa clique ont rendu le peuple tellement amorphe. Non, je ne pense pas. C'est pas Bia qui t'a élevé. C'est pas Bia. Tu n'as pas grandi dans la maison de Bia. Ta mère vivait comment avec ton papa? Ne prends pas ton comportement, je ne sais pas trop quoi. Tu vas voir un homme qui est barbare. Tu me parles de bien, bien, n'a rien à voir. Tu te lèves le matin, tu ne balais pas ta maison, tu vas dire que c'est pour le bien. Non. Non. Je suis en train de parler d'un homme qui n'arrive pas à contrôler ses émotions face à une femme qui lui dit deux, trois mots. Je vais revenir sur les femmes. Ce n'est pas comme si je suis en train d'encourager quoi que ce soit. Tout commence par le haut. Je vais dire oui et non. Je suis à la maison avec mes enfants, par exemple. Bienvenue, Freddy, bienvenue. Je suis à la maison avec mes enfants, par exemple. Quand l'enfant se lève le matin, il doit dresser son lit. Il doit dresser son lit. Ça, c'est ce que je dis à mon enfant à la maison. Maintenant, quand il grandit, il a peut-être 2 ans ou, je ne sais pas, 1 an et demi, 3 ans, en fonction des réalités, je l'envoie à l'école. À l'école, on lui apprend 1 plus 1. À l'école, ce n'est plus quand tu vois quelqu'un, il faut dire bonjour. Ce n'est plus, c'est déjà dépassé parce que je suis supposée avoir déjà fait ça à la maison. À quel moment pour bien intervient? Donc, je vais dire à l'enfant, moi, tu ne laisses pas là-bas. Si tu n'as pas ouvert la télé, on a vu que quand on mange, il faut débarrasser. Ne débarrasse pas avec mon bébé. Tu me parles quoi que pour le dire que là, ça vient du... Oh non! Non, c'est à la maison. Tu dis un enfant, tu dis que c'est pour le bien. L'enfant t'a vu dire deux à la voisine. Il sait que c'est comme ça qu'on doit agir.
La voisine s'habille, peut-être son habit, elle n'a pas prêté attention, son vêtement est troué, son collant est troué. C'est avec ton enfant que tu tapes les commentaires, tu te moques du collant de la voisine avec ton enfant. L'enfant là va grandir, faire le grand frère du Japon. Prenons l'exemple d'un bain. Tu ne vas pas voir un parent lever la main sur son propre enfant parce que les lois. Et tu crois que c'est une bonne chose. Tu crois que c'est une bonne chose. Je m'arrête à l'exemple de Mbengla. C'est même très bien que tu en parles. Tu crois que c'est une bonne chose, tu fais. Laisse-moi te dire que les mêmes parents là qui ne font pas ça, ils sont étouffés. Ça les tient jusqu'ici. Ça les tient jusqu'ici. Parce que les enfants là, ils sont comme les esclaves devant ces enfants là. L'enfant qui n'obéit pas à sa mère à la maison, à son père à la maison, ne peut pas obéir à la police. Résultat, ce qui s'est passé dernièrement en France. Tu crois que c'est une bonne chose? Mais nous, ne compare pas les choses comme ça. Hein? Nous, on a encore problème de... On a encore au niveau de... On n'a pas la lumière. On n'a pas les routes. On a encore au niveau de... Une femme pas accouchée comme ça, la quatre bébés, pour, par faute de couveuse, les enfants décèdent tous. On est encore à ce niveau-là. On a encore au niveau où une fille sort comme ça, là, on parle enceinte pour une affaire de demi-poisson brisé. Ne compare pas les choses comme ça. On a encore faim. On se dise les choses sans se caresser dans le sens. On a encore un niveau où on a faim. Tu parlais de quoi, papa? Jurisprudence à où? Yeah. Attends, je mets le truc sur le Attends, il y a peut-être une façon. Tu sais que tu peux participer au direct, non? Tu peux participer au direct. Tu envoies la demande, je valide. Peut-être que tu ne te comprends pas. Il y a les basiques. Même les enfants de l'Europe que tu dis là, ils savent dresser le lit le matin quand ils se lèvent. Ils font leur chambre. Les petits enfants, la matinée, ici, quand ils arrivent, ils ont leur nom devant leur tiroir. Ils rangent leurs trucs. Ils savent retirer leur goûter, ils mangent après, ils débarrassent. Ça, ils savent faire. Massa. Je dis que machin, mais mon frère, maman africaine, tu dis que tu ne t'en sors pas. Tu regardes mon enfant, il y a un transfert de données, le Bluetooth est connecté, elle comprend, elle se range seule. Avant que vous n'arriviez à la maison, que tu travailles sur elle correctement, que quoi? Donc je vais venir, je vais pleurer parce que. Les lois ont fait que, mon frère, je suis dans ma maison, les lois là me suivent jusqu'à dans la maison. L'enfant qui n'obéit pas à son père à la maison ne peut pas obéir aux policiers dehors. D'où ce qui s'est passé en France là. Moi, je parle de violence. L'enfant qui est violent a certainement copié quelque part. Fille comme garçon. Parce que qu'est-ce qui donne le courage à une fille de penser qu'elle peut parler à un garçon qui masculin, tu vois, quelqu'un est baraqué, mais tu lui parles quand même. Ça veut dire que tu as une maman qui criait sur ton papa. Ta mère criait sur ton père. Tu as grandi comme ça. No, oh, sorry, Chefa. I'm not, oh là là, ouais. J'aime pas ça, hein. J'aime pas ça. J'aime pas la victimisation. Maintenant, tu parles de ton français. Qui parle? Je ne sais pas ce que tu veux me faire comprendre. Tu veux me faire comprendre que tu es anglophone, c'est ça. Je n'ai pas parlé de ton français ici. Tu t'exprimes très bien. Tu t'exprimes très bien. Voilà. Quand la base est bien faite, machin, l'enfant n'a pas n'importe où est. La question qui va revenir, c'est que... Ça, c'est l'enfant de qui est dans le bon sens. Mais quand la base est mal faite, quand il passe quelqu'un dit que moi, ça, c'est l'enfant de qui dans le mauvais sens. C'est toute une chaîne. Bien sûr, mais ne négligeons pas, moi, je dis, les fondements, c'est à la maison. Mon frère, tu as demandé l'autorisation à la pauvre avant d'aller porter la grossesse ou bien avant d'aller enceinte une fille.
Pourquoi l'enfant va venir, tu vas attendre que les autres viennent. Non, non, c'est toi qui fixe les bases de ta maison. Il ne doit pas avoir un règlement intérieur où on dit qu'à 18 ans, on a pu trouver un jeune dehors. C'est toi qui arranges ta maison. Est-ce que c'est pas assez gâté que tout le monde est gâté au pays? C'est toute une chaîne, comme tu as dit. C'est vrai, toute une chaîne. Les basics. Donc, je disais, qu'est-ce qui donne le courage à une fille de penser qu'elle peut parler fort quand un homme lui parle? Quand un parent est marginalisé et humilié par les instructions qui sont censées les protéger, il déverse toute cette humiliation sur la progéniture et ainsi de suite. Si un policier, un administrateur public, etc., fait ce qu'il veut sans aucune réprimande, les supérieurs ou le judiciaire, Je te comprends. Bon week-end à toi, maman Chantal. Sois bénie. Je te comprends. Mais je dis ceci. Ne laisse pas tout entre les mains de l'administration. By the way, tu vois que cette administration ne fait rien. Si ton enfant se détourne du chemin, c'est toi qui perds. Donc, donne-toi les moyens de corser un peu l'éducation. Forme-le pour demain.
faut pas que tu pointes là et puis l'enfant, je ne te le souhaite pas. Ton enfant reste souffrir parce qu'il ne sait pas se débrouiller, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donne-toi les moyens. Travaille sur ta position. Tu n'attends pas. Quand tu vois ce qui se passe là, tu espères quoi des gens là? Tu espères quoi d'eux? Sérieux? Tu ne vas pas confier ta progéniture à des personnes que tu ne connais pas, qui ne font rien. Ils ont réalisé quoi, on a vu. Hein? Ta progéniture, c'est la preuve de ton passage sur terre. On ne joue pas avec. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec sa progéniture, tu sais ça. Non, non. Ne blague pas avec. En attendant qu'il agisse, faites à ton niveau. N'attends pas d'eux. N'attends rien d'eux. Je prends la recette 2 seulement. Ok. Les deux sont partis. Il y a un qui est revenu. Donc voilà, je posais la question de savoir qu'est-ce qui peut motiver une fille à riposter, à répondre avec autant de zèle quand un homme lui parle. C'est juste ce qu'elle a vu chez ses parents. Parce que quand, si tu formes ta fille, tu lui dis, voilà, sache que le garçon est plus fort. Il y a qu'à voir quand tu as deux enfants de sexe différent, non. Le garçon, même s'il est petit, comment? Quand il te donne un, tu sens que quelqu'un t'a touché. Il y a quand tu parviens encore à contrôler l'enfant, le jour où tu arrêtes ton garçon, tu sens comment tu as arrêté le bête. Tu te retiens, que si l'enfant se me fait comme ça, là, j'aurais honte. Tu te calmes un peu. Par contre, ce n'est pas le cas sur la fille. Il faut parler aux deux enfants. Il faut dire à la fille, on ne parle pas fort au garçon. Et au garçon, il faut lui dire, la fille que tu vois là, elle n'a que sa bouche, elle n'a pas la force, on ne tape pas. On ne tape pas. D'autres fois, même quand il finit de taper pour encore la machine, il découpe, pas. Tu es seulement habité par quel démon? Tu es habité par quoi comme ça? Tu fumes seulement quoi? Hein? Donc, c'est l'éducation, honnêtement. Sinon, les violences ne finiront jamais. On va toujours, si on sensibilise un côté, on laisse l'autre, il y aura toujours les violences. Il faut sensibiliser les deux. Fille comme garçon. Il faut sensibiliser. Sinon, il y aura toujours les violences.
Oui, ça veut dire que tu venais manger, non? Donc, viens manger. Fais pas ce que tu veux. Donc, sensibiliser les deux côtés, les filles et les garçons. Parce que sinon, les violences ne finiront jamais. Et très souvent même, on voit la violence physique. Il y a des violences qui sont plus douloureuses que les violences physiques. La violence psychologique. Oh, tu ne sais rien faire, tu ne sers à rien. Tu as une fille bête comme toi, tu ne sers à rien, tu es bête, tu es grasse, tu es laide, tu es moche, oulala, oulala. Vraiment. Vraiment. On ne voit que violence physique là, il n'y a plus que ça. Bon, celles qui tuent aussi, c'est-à-dire que celles qui sont plus répandues sont celles qui sont physiques. C'est celles-là qui t'amènent quoi. Pas besoin de taper sur l'enfant de quelqu'un. Si vous sentez que ça ne va plus, séparez-vous, non? Séparez-vous, tout simplement. Séparez-vous. Ça en fait rien. Je suis fatigué, mon roi est fatigué, pardon. Je n'ai pas peur de me poser un lapin aujourd'hui. Il est pourtant dit que je dois être en live aujourd'hui à 14h. Parce qu'il va faire le live avant le top des dossiers noirs du samedi soir. Bien nommé Tonton J.Remingolo.
Et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux. Donc voilà, pour ceux qui vont passer par ici, on va mettre dans le... pour ceux qui vont passer par ici en fait, voilà, on a parlé de hommes-lors, le cas qui nous a secoué les organes d'air. Et ensuite, on a parlé des violences, qu'est-ce que je situe les violences, chacun a donné son point de vue. Les points de vue qui ont été respectés, on a discuté, on a échangé. Et moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut éduquer les deux côtés. Hein. Aussi bien le garçon que la fille. C'est pas parce que c'est un garçon que vous avez vu que la fille, c'est un cercle de sexe, c'est pourquoi il faut la protéger. Donc, il faut apprendre aux enfants garçons à contrôler leurs émotions. C'est bien quand l'enfant rentre et dit que oui, on a lâché mon goûter, tu as fait comment, j'ai dosé fort, tu dis ça c'est mon fils. Mais il ne va pas toujours seulement doser les garçons, il peut arriver aussi qu'il dose les filles. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On n'encourage pas la violence, mais que ce soit vis-à-vis d'un garçon. Ça peut être un garçon qui est moins fort que lui et qui est peut-être malade. Un seul coup comme ça, l'enfant ne fait pas pas go et go go. Tu vas expliquer comment ton enfant a tué. Ton enfant a tué. Et aucun parent ne voudrait que son enfant ait un casier judiciaire aussi lourd. Pour éviter ça, les deux, sensibiliser les deux côtés tout simplement. Pourquoi? C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, merci d'avoir été là. Je vais passer à table. Je vais manger. Et parce que je peux m'aller devant vous, il faut que j'arrête le live. Merci d'avoir pris part à ce direct. Merci à Chufa, Maman Chantal, Ogada, Fonsa Toala. Oui, c'est beaucoup de noms. Pascal, Rodrigue, Valis et bien d'autres. Merci à tous ceux qui sont passés par ici. C'est un plaisir de vous avoir. On se prend tout à l'heure. Je vais poster une vidéo tout à l'heure. Tout à l'heure à 17h avant que Tonton et nous fassent son live. Je vais poster une vidéo. Merci d'avoir été là. Bisous, bisous. Ouais.